Tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes lundi. Je viens de nettoyer, du coup je vous ai montré les bacs à litière. Je vais aller chercher ma litière pour les remplir. Qui va pas rester longtemps. Hop. Il y a déjà des rendez-vous aux toilettes. Elles adorent quand on change la litière. Quand je change les litières, qu'elle ment en principe, c'est la première. Bon. Du coup, j'ai fait ma vaisselle, les litières sont faites. Je vous ai pas dit, il est quelle heure? Il est 14h54. On a mangé tout ça. J'avais sorti mes poubelles, mais il reste encore quelques trucs là à sortir. Là-bas, vous voyez Alexis qui s'en va dans le jardin. Et je vais nettoyer un coup ma table. Et puis, normalement, après, je vais aller chez ma mère parce qu'après, elle part toute la semaine. Donc je vais passer faire un tour chez ma mère, mais j'attends que Chouchou rentre parce que Mel, elle voulait pas venir avec moi. Donc j'attends que Chouchou y rentre. Moi, je vais faire un tour chez ma mère. Et puis voilà. J'ai des choses à faire, mais bon, c'est lundi, donc c'est cool aujourd'hui. D'habitude, justement, je m'active plus le lundi, mais là, on va dire que ça la cool. On va aller mettre les poubelles. Hop, je vous emmène avec moi la poubelle. Chouchou, je démarre. Je vous emmène dehors avec moi. Regardez, on a un beau soleil. Il fait bon. Il fait vraiment bon, ça fait du bien. Je vais regarder si j'ai du courrier. Je vous pose sur ma poubelle. Il fait vraiment bon. On a du courrier. C'est agréable. Le soleil et tout, ça vient.
regarder c'est quoi ce courrier. Là, il faut encore que... Enfin, il faut que je replie mon linge parce qu'ils m'ont tout mis en boule pour aller le ranger dans mes armoires. Mais sinon, j'ai fait déjà toute ma vaisselle. Bon, là, il reste 2-3 trucs que les grands, ils ont descendu. Je vais leur dire de les laver parce que je venais de finir ma vaisselle. Donc, voilà. Alors, c'est quoi? On a reçu exactement le même courrier, mais juste notre nom, à mon nom et à son nom. Alors que c'est exactement le même courrier. Regardez quand même l'autre, mais à mon avis, c'est exactement le même. Kimi a fait sa toilette. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Exactement le même courrier, je l'avais dit. Voilà. Un au nom de madame, un au nom de monsieur. J'ai usé du courrier pour rien. Bref. Du coup, je vais nettoyer un coup ma table. Je pense que je vais faire repasser un coup nanonette dans la cuisine. On l'est passé hier, donc c'est pas... Hier, c'est pas... Depuis hier, c'est pas très ça, hein, mais bon. Il y a quand même de la litière qui traîne, etc. Parce que hier, on a fait passer la nanonette aspiration et aussi pour laver. Donc, la cuisine, elle était très propre. On avait fait que la cuisine. Parce que, comme je vous dis, il faut tout que je débarrasse. Donc, voilà. Chiant, je sais jamais comment vraiment vous placer pour que vous me voyez bien. Là, je passe pas vraiment le balai, hein. J'enlève la litière qui est au bord parce que sinon, en fait, ma nounette elle peut pas passer derrière les meubles ici et ils arrivent à me mettre de la litière. Voilà, en fait, tout ce qui est vraiment dans le creux ou quoi, sinon elle va pas l'aspirer. Donc, on fait comme ça. Voilà, je dégage vraiment ce qu'il y a au bord pour qu'elle puisse aspirer correctement. Bon, donc je vais mettre ma nounette en route. Est-ce que je peux faire mon salon en même temps? Je vais peut-être pouvoir passer le salon en même temps. C'est chiant de placer le téléphone pour que vous me voyez à chaque fois. Si je passe le salon, est-ce qu'il y a des trucs qui traînent ou pas? Là, il y a le jouet à Stella. Et sinon, elle va pouvoir passer quand même ici. Je vais juste retirer mon seau. Hop. Là, j'ai beaucoup de linge encore à faire. J'ai mis mon plaid dehors. J'ai mis la couette à mail là-bas sur mes chaises de table. J'ai mis le tapis à Camille sur mon séchoir. Là, je viens de faire une bâtée de serviettes. Donc, je vais aller la mettre dans le sèche-linge. Et après, je vais refaire du linge que je prendrai ce soir. Mais j'ai beaucoup de linge quand même à faire, en fait. Comment je vous pose? C'est chiant, hein, je vous jure, pour que vous me voyez à chaque fois. Je ne sais jamais comment vous mettre si je vous mets l'eau. En fait, il ne faut pas que je vous fais tomber non plus. Hein. Hop, deux petites minutes. J'ai plein de plumes. Ma zouzoute, hop, tu vas aller dans le fauteuil le temps que ma lunette elle passe. C'était là, pousse-toi. Voilà. Bouge pas de là, mon bébé. Je vais pouvoir programmer ma lunette normalement. On va commencer par la cuisine, mais je crois que je vais la faire passer partout. De toute façon, même si après vraiment je pars, oh, je vous vois même pas. Même si vraiment après je pars et que la lunette elle a pas fini, Chouchou il a l'application sur son téléphone aussi, donc il peut l'arrêter au cas où. Et moi, le temps que Nanonette elle passe, je vais plier le linge. Kenma, tu l'embêtes pas, hein? J'ai mis Mimi là parce que sinon elle a peur de Nanonette.
Ah, mon bébé! Donc, ouais, je vais replier mon linge et aller le monter. Là, je vais descendre le truc pour l'humidité. Je vais le remettre en bas. Kenma! Et puis, je vais ranger ce que j'ai rangé un petit peu. Comme je vous dis, le temps que Nanounette, elle passe. Il y a quelqu'un devant chez moi. Je sais pas c'est qui. C'est qui? Attendez, je vous reprends. Recoucou, il est 18h30. Je suis dans ma chambre, il n'y a pas trop de lumière. Je range mon linge. J'ai mis l'eau à chauffer aussi pour faire les pâtes et je vais faire des escalopes normandes avec. Et là, du coup, je range mon linge à moi. Là, j'ai la pile de linge aussi à Mel. Et ensuite, j'ai le linge Alexis à monter. Hop. Du coup, je vous ai pas vraiment repris depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, Camille, elle m'a appelé parce que j'avais pas entendu mon téléphone sonner. Ma soeur, elle était devant. Donc, du coup, je vous ai coupé. J'ai été voir ma soeur devant. Elle me ramenait. Mes pions et j'allais dire quoi et du coup on a discuté un moment. Chouchou est rentré, j'ai tout préparé, je vous avais dit j'ai fini de tout préparer pour passer Nanounette. Et du coup mon frère, j'ai programmé Nanounette pour faire un gros nettoyage turbo, double turbo dans les trois pièces tout le bas. Et du coup mon frère il arrive à la maison et du coup on est parti avec mon frère, Camille et Dada pour aller jusqu'à chez ma mère. Voilà. Hop, je vous prends, on va les ranger. Le linge à Mel. Du coup, je suis revenue de chez ma mère, il était 16h30, 16h40. Et puis voilà, on a bu un café. Et puis. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Regardez dans le bac de sous-vêtements de Mel. Bah, t'es même pas venu manger, je t'ai appelé tout à l'heure. Il reste que ton assiette. Hein. Du coup, j'ai fait quoi? Mel, elle voulait déjà manger des nuggets, donc elle a déjà mangé. Après, elle va me dire qu'à la fin, à 21h ou 22h. C'est là, pousse-toi. Non. File de là. Allez. Dépêche-toi. Merci. Et. Du coup, on a fait quoi? Ouais, j'ai bu un café. Pousse-toi, Stella! J'ai donné à manger aux filles. Voilà, je fais tout tomber mon linge. J'ai donné à manger aux chipettes. Je sais pas si je vais pas réussir à vous poser ça. J'ai donné à manger aux chipettes, sauf Kimi qui n'est pas venue manger, vu qu'elle dormait dans le bac de sous-vêtements. J'ai fait les nuggets à Mel. J'ai fait quoi? Rien de spécial. J'ai parlé avec Cyril. J'ai parlé avec Bérangère un petit peu aussi. Et puis voilà. Hein. Puis là, du coup, je viens de vous dire, je viens de mettre l'eau à chauffer. Et les escalopes normandes au four. Là, je range le linge. Il me restera celui d'Alex quand même à venir ranger. Mais elle m'a déjà un peu mis du linge partout là-bas, sous le bureau. Faut que je replie tout. On adore. On adore. Ça c'est ici, si je dis pas de bêtises. Ça c'est un gilet. C'est ici, mais elle me fout le bordel dans ses vêtements. Bon, il y en a encore trop de vêtements, donc elle me fout le bordel. Voilà, ça c'est quoi? Maillot. Courte manche ici, maillot longue manche. Je vais devoir tout replier bientôt, je crois. Ici, pantalon. Ici, ça c'est quoi? C'est une robe. T'appelles ta fille? Non, mais je suis devant, heureusement. Ah,
Pourquoi elle m'appelle? T'as dit quoi? Pourquoi elle m'appelle? Non, mais t'as envie de? Oui. Ah. C'est bon, c'est T'appelles? tourné. Je sais pas, mais c'est une maman. Ah, mais elle est chiante. Ouais, je sais. Ça fait 10 fois qu'elle m'appelle dans la salle de bain. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ce matin, je sais plus à quelle heure je me suis levée, vers 9h30, je crois. Et Mel, hier soir, elle m'avait demandé si elle pouvait mettre un réveil pour se réveiller toute seule. Du coup, je lui ai dit oui. Elle m'a dit oui, mais est-ce que je pourrais quand même regarder mes vidéos? J'ai dit oui, tu peux regarder en même temps. Donc, elle m'avait demandé de mettre son réveil à 10h30. Bon, elle ne sait pas trop vraiment l'heure, mais je lui ai dit je te mets à 10h30. Elle m'a dit oui. Donc, du coup, je l'avais mis à 10h30. Et en fait, moi, ce matin, j'étais sur le PC. À 10h32, je l'ai vu descendre. Elle me dit c'est bon, j'ai réussi à me réveiller avec mon réveil. Elle s'est réveillée toute seule. Et 2 minutes après, elle était déjà en bas. Donc, du coup, elle est très contente. Et du coup, là, elle a demandé à son père de lui mettre son réveil demain matin à 10h. C'est bien, elle arrive à se lever. Bon, je vais descendre faire mes pâtes et mes escalopes normandes. Je vais aller voir ce qu'elle a mâché à crier dans la salle de bain. Et puis, je vais monter le linge d'Alexis. J'ai mal au ventre. Enfin, ouais, j'ai mal au ventre, je sais pas. Et puis après, on va manger. Puis au pire des cas, je vous reprendrai un petit peu pour du blabla tout à l'heure. Mais j'ai pas encore filmé beaucoup. Il y avait tout le monde en bas avec moi. Tout le monde y regardait soit la télé, soit mettait la musique. Ben, du coup, quand c'est comme ça, je peux pas filmer. Donc c'est chiant. Parce qu'après, j'ai rien à vous montrer. Et ça me saoule. Allez! Coucou, il est 21h13. Je vais sortir, c'était là. Et elle me tire comme une folle. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Non mais hey, je vais pas jusqu'au bout. Désolée, il fait noir. Camille, elle va descendre parce que le dodo il s'est endormi. Allez. Si tu veux faire pipi, c'est maintenant. Dada, il s'est endormi il y a plus d'une heure. Du coup, Camille, elle va descendre. On va regarder un peu la télé. Et on va peut-être vous faire un petit peu... Enfin, nous, on va peut-être faire un peu de pâtisserie. Donc, on va vous filmer ça. Je suis désolée, je suis dans le noir. C'était là. Allez, ma fille. Là, il y a de la lumière au-dessus de la maison, ça va. Sinon, tout y est, tout au fond. Ah non, c'est juste là-bas. Elle est éteinte. La première ampoule, elle ne voit plus. Il n'est pas très tard, mais là, ils vont bientôt tout éteindre. À 22h, je crois, il n'y a plus de lumière. Hop. Allez. On ferme la clé. On retire la clé. Je vais enlever la laisse à stylo. Tu m'as fifi? Elle n'était pas pipi ma poche? Bon oui, hein, grande fifi. Bon oui. Voilà. Allez, c'est bon. Hop. Je sais pas si Camille est déjà descendue. Non. Je vais retirer mon manteau. Hop. C'est dur d'une main. Et on va ranger le manteau. Si je vous posais, ça serait peut-être mieux. Ouais. Voilà. Ici, je vais juste allumer la lumière pour Princesse, comme d'habitude. Hop. Je vais regarder vite fait un truc sur mon PC. Je sais pas si je vous avais déjà montré, je crois, mon Scooby. C'était mon gros toutou d'avant. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Voilà, ça c'est mon Scooby-Doo. Il me manque vraiment beaucoup, mon Scooby-Doo.
Il est trop beau, mon petit chien. Et là, regardez, c'était mon lapin que j'avais avant. Je vais essayer de vous mettre en plus grand. Hop. Voilà, elle était toute belle aussi. C'était Kaline. Vous avez vu comment elle était belle, ma Kaline? Elle était toute belle. Trop belle, ma bébé. Et là, c'est mon Scooby-Doo. Le plus beau des chiens. Un amour de chien. Bon là, il prenait son bain et les photos sont très très vieilles. Hein. Regardez comment il était beau, mon chien. Il était magnifique. Hein. Il est trop beau, mon loulou. Là, ici, on a un autre dossier. Bon, avec des autres. Là, c'était les oiseaux de Camille quand elle était petite. Ils étaient tout mignons aussi. Voilà. Bon, là, c'est quand je m'éclate à prendre l'escargot. J'adore les escargots. Et ensuite, il y avait... là, c'était un de mes petits chiens que j'avais aussi. Je sais pas si je peux vous la faire montrer. Ah, ça marche pas. Ça ne marche pas, si. Si, mais vous allez peut-être pas bien le voir. Ça, c'était mon petit chien que j'avais aussi, mais qui s'est sauvé peu de temps quand on est arrivé ici, en fait. Voilà. Puis après, ben, c'est Aya, Amy, Kimi, etc. Recoucou, il est 21h33. On a préparé plein de choses. Mais est-ce que tu sais ce qu'on va faire? Devine. Laisse deviner. Avec tout ça. Avec du bon truc. Moi, je veux faire avec vous. Tu veux faire avec nous? Une tarte aux pommes et des mousses au Nutella. Bah, viens de ce côté-là, tu vas faire avec nous. Baisse un petit peu au pire. Un poil de dessus, il est long. Il faut aller chercher des... Ouh là, bah, désolé, il n'y a même pas de bois. Il faut remettre les pieds. Merde, c'est encore pire. Encore? Comme ça? Non, il faut qu'on le voit quand même. Ah, on le voit quand même, tu ne fais pas voir que la cupcakes. Non, cupcakes. Demain, on fera peut-être des cupcakes, d'accord? Ouais. Alors, sur mon truc, j'ai cru que c'était un cupcake, là. Je me suis pris un candy-up, je vous l'avais dit, j'en avais acheté, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas vu. Sur 6, il en reste 2. Bon, après, j'ai mal à l'estomac déjà, donc j'en bois un quand même, mais. En même temps, ça faisait longtemps que nous aussi, on t'a demandé. C'est trop bon, les candy-up. Vous goûtez ? C'est trop bon, les candy-up. Par contre, à la fraise, j'aime pas. Non, c'est pas bon, la fraise. Il y a la vanille aussi, je crois. Moi aussi le chocolat, c'est trop bon. Le chocolat, c'est la meilleure. Bon, du coup, on va faire une tarte aux pommes. C'est comme et des bien ma chérie au milieu. C'est comme des yops. C'est bon ça. Tarte aux pommes, mousse Nutella. Les deux desserts favoris d'Alexis. Il est pas là, mais c'est ses deux desserts favoris. Il est pas là. On voit pas Camille. Coucou. À chaque fois, du coup, tu baisses. C'est pas grave, mais bon. Ouais, pour voir où elle est. Donc, toi, tu vas faire. Vous voulez faire quoi? Vous préférez faire quoi? Tu préfères faire la tarte aux pommes ou tu préfères... Tarte aux pommes. Tu préfères faire la tarte aux pommes? Les deux, moi je préfère. Tu fais les deux? Ouais. Tu préfères quoi toi? Je préfère faire les mousses, je les ai jamais fait. Je sais pas comment on fait. Vas-y, on va. Bon, je vais commencer à faire ça un petit peu avec Mel. Tu fais là-bas? Ouais, faut que tu pèses 150 grammes dessus. Ah, mais pour toi, on fait comme ça? Non. Comme ça, au moins, on travaille en équipe. Ah ouais? Ça ira plus vite. 1, 2, 3. Je mets deux là. Voilà. C'est bien. Ah non, ouais, c'est pas bon. Ah, ça devrait bien. Comme ça, vous n'avez pas de gramme, hein, tu me dis. Ouais, comme je vous avais pas beaucoup filmé aujourd'hui, ben au moins. Ouais, ça fait trop bon le truc à plus.